L'autorisation de vente, ce ne fait que vous allez imprimer 8,5 sur 11, une page seulement. Vous allez la recevoir par courriel. Autrement dit, vous allez la commander par un formulaire d'abonnement. Vous allez cliquer le courriel. Vous allez avoir un formulaire pour vous rentrer des informations personnelles. Pour les mettre à jour comme le formulaire que vous avez eu peut-être dans l'information, mettre à jour les informations personnelles ou comme celui des instructions inscrit à l'infolettre. Autrement dit, il va être personnalisé à votre nom, autrement dit, votre nom, la ville, pour comme quoi que vous êtes autorisé de vendre. Vous cliquez, autrement dit, vous avez ce formulaire que vous allez remplir. Et puis, vous inscrivez votre nom, puis à ce moment-là, vous allez recevoir, ça vous fait le faire à tous les deux semaines, autrement dit, pour le mettre à jour, vous allez être, autrement dit, confirmé comme quoi que vous êtes autorisé de vendre pour l'agenda du Québec. Fait que vous l'imprimez quand que vous le recevez par courriel. Puis vous gardez dans votre chose pour présenter aux clients s'ils disent, c'est quoi cette affaire-là, mais tu es autorisé de vendre pour la vente du Québec. Fait que c'est une confirmation comme quoi que vous êtes autorisé de vendre, comme quoi que vous êtes membre puis délégué.